来袭. Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce n'est pas ma première vidéo comme vous l'avez constaté, ça fait déjà plus de 200 vidéos, j'arrive pas à y croire. Mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul, non je ne suis pas avec Benjamin le ninja, mais je suis avec... Acro Ninja. Oui. Alors tu es honoré d'être ici aujourd'hui? Oui. Juste un, j'aurais quelques questions, désolé un peu si... C'est un peu personnel, mais je n'ai pas le choix. Alors, Acro Ninja, tu n'étais pas de retour depuis... Ça fait un mois que tu es de retour. Ça fait même pas un mois que tu es de retour. Ça fait 2-3 jours. Et... Ouais. Mais tu étais où pendant pendant un mois et demi? Le mois de retour, Indigo. Bah, en fait, j'étais dans un camping. En fait, je devais partir en vacances dans un camping. Et puis quand, en fait, je voulais vous prévenir, mais puis quand je suis partie, il y avait plus de wifi. La wifi, elle était désactivée. Du coup, on était partis sans wifi. Du coup, j'ai pas pu vous contacter et je suis encore désolée. Je suis sincèrement désolée. Hein. Ah, c'est pas grave, tu t'as pas pu nous contacter. C'est pas grave, t'avais pas de connexion, ouais. C'est ça. Connexion internet, ouais. Ce n'est pas partout, hein. C'est très rare d'en avoir si peu. Alors qu'elle ne peut pas en avoir du tout quand tu es loin de ta maison et tout. Ben ouais. C'est pas rare. Ouais. Donc, juste pour dire. Donc, la communauté, elle a été vraiment engagée. Malheureusement, je n'ai pas d'effet spécial pour vous décrire un peu comment c'était. En effet, j'ai dû l'enlever parce qu'il y avait trop de place pour faire cette vidéo. Et avec l'appel aussi, je n'ai pas pu garder autant de place. Donc malheureusement, ouais, c'est ça. Je voudrais vous montrer. Et bref, c'était vraiment de la guerre. Je peux vous dire que c'était horrible. Et des fois, je me levais et tout d'un coup, qu'est-ce que je voyais? Une communauté qui partait en prix. Ouais, des fois, c'est pas mieux d'être tout le temps là, d'ailleurs. D'être épargné. Ah oui, des dates de les dates de sortie. Ouais. Un record battu, ouais, c'est ça qui nous reste un peu, ouais, et de quelques nouvelles qui se passent un peu, qui tout. Donc voilà, pour commencer avec les dates de sortie, la saison 12 est sortie, hein, et très récemment. Je sais que vous pensez saison 13, saison 14, mais revenons un peu parce que dans certains pays elle n'est pas toujours sortie. Hein. On se rappelle d'ailleurs que vient à peine de sortir. Sur Cartoon Network aux États-Unis, hein? Oui. On ne s'y attendait pas. Donc, elle est sortie, quoi, en Corée du Sud le 9 mars. Elle est sortie sur Cartoon Network Asia le 21 mars. Elle est sortie aussi à Hong Kong. Oui, c'est là que ça vient. Hong Kong. Vous allez pas me croire. Les épisodes, les premiers épisodes qu'ils ont sortis de la saison 12 en anglais, il y a agent Brickowski qui a dit que. Ça venait d'un coin. Apparemment, j'ai découvert ça. J'avais oublié que ça venait de lui, la source, et enfin, qu'il habitait à Hong Kong. Voilà. Donc, ils sont même sortis en mandarin. La date de sortie de la saison 2 de Ninjago en France, et bah, en fait, on sait pas. Si on sait peut-être à la rentrée, mais c'est pas encore confirmé, donc s'il vous plaît, n'insultez pas en commentaire. Enfin, me dites pas, t'as mis tout et tout. Enfin, me dites pas ça, s'il vous plaît. Ouais, c'est tout. Et moi, tu dis que je l'ai dit sur Instagram, donc c'est pas moi. Donc, je vous dis, voilà. On sait bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de coupables depuis. De toute façon, il est évident que ça arrive des fois qu'on soit jugé. Bon. Donc, il n'y a pas eu de coupables. Non, on n'a accusé personne dans les commentaires. Je veux voir personne, sinon je le bannis. Voilà. Je le bannis juste de l'en direct. Juste pour vous dire, pas de moquerie, accusez pas quelqu'un là. Ne dites pas que je devais accuser quelqu'un. Ouais. D'ailleurs, on ignore encore plein de choses, hein, en fait, sur certains écrits de certaines personnes étranges. Ouais, ignore certaines personnes. Ouais. Ouais. On verra ça, on n'est pas encore sous même là. Ouais. Et bref, c'est pour vous dire qu'elle n'est pas sortie au Québec. Malheureusement, je n'ai pas reçu de bande d'annonce, quoi que ce soit.
Il semblerait que il y a peut-être des chances que ça sorte un peu avant la rentrée. D'ailleurs aussi en France, mais septembre, octobre, on essaie de voir un peu. Bref, on ne sait pas encore pour la France, le Canada, la Belgique et les autres. Oui, la Belgique qui sort sur Ovio. Vous avez... J'ai découvert un poste en fait en Belgique, en français. Voilà. C'est ça. La saison 13, il y a à peine de sortir encore. C'est encore plus nouveau en fait. On parle déjà de la saison 14. Il y aura peut-être la saison 14 en 2021. Ouais. D'ailleurs, les 10 ans de Ninjago. Ah oui. Maintenant, nous allons parler des un peu des records. Attention, ouais, des records. Ça va chauffer, brûler, exploser en même temps. Puisqu'aujourd'hui, nous avons eu un record il y a quelques jours. Ou il y a à peine. Il y a à peine une semaine. Alors, Ninjago NT, le premier aveugle dans la communauté Ninjago en français, a battu un record d'en direct le plus long de Ninjago. Il a duré, je vais vous le dire, 6h45 minutes. Vous allez me dire 6h45 minutes ? 6h45 minutes. Il a fait de 9h30 à 16h15. Par contre, c'est des personnes qui étaient restées. Bref, je comprends pas quand ça a coupé. Mais il paraît qu'il a réussi à la remettre après. Après avoir retiré la vidéo qui disait qu'elle ne s'arrêtait pas, pourtant elle était déjà en arrêt. Bon. Mais c'est beaucoup là pour quelqu'un qui t'aveugle. Tu aurais cru, toi, Acro Ninja, qu'un jour un aveugle dans la communauté Ninjago en français arriverait avec 6h45 minutes. Non. Alors, toutes mes félicitations quand même. Ouais, on veut pas t'insulter, Ninjago NT, t'as un handicap. Non, mais c'est bien quand même, t'as battu un record. Ah oui, et j'ai gagné une surprise que je peux pas encore vous dire, mais vous allez bientôt l'apprendre. J'ai gagné un truc à Guillaume Chromier, allez voir un peu là. Allez voir le replay, je vais vous mettre la description où est-ce que j'ai gagné et où ils l'ont dit la bonne réponse et tout. N'oubliez pas de l'écouter quelques minutes. Je vais vous le mettre dans la description. Ah oui, l'élève et de Ninjago NT et tout ça, c'est aussi en description, les chaînes et tout. Et maintenant, on va parler un peu des événements. Qu'est-ce qui se passe, à peu près ça. Donc, on va parler de ma vidéo qui va sortir bientôt. Ma vidéo avec Sunfire. Allez, vas-y. Ma prochaine vidéo sera avec Sunfire à un FT sur les 10 Ninjago de Shintaro Dengenri. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous attends nombreux pour ma vidéo. Ce matin, j'ai fait un live. Une chose qui est sûre, on aura envie de la voir. Bah oui, c'est Sunfire. Tu peux juste nous dire quelques informations? Elle parle juste, on veut pas trop savoir c'est quoi les informations, mais je me poserai quelques questions. C'est à peu près quoi en quelque sorte? C'est à peu près quoi en quelque sorte? Les moments de call, saison 13 vidéo. Ah ouais. Et du coup, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui sera... Elle doit être longue la vidéo? Elle doit à peu près cette durée de cette vidéo. Bon, on en saura plus dès que ça sortira. Tu nous dis quand ça sort à peu près? Ouais, tu dirais quand ça sortira. Tu nous tiendras en courant dans 2 jours, 2-3 jours au pire, ou quoi que ce soit. Ou dans un mois, mais... la vidéo sortira le 15 août, comme celle d'une Ninjago Aventure. Ouais, dans quelques jours environ, c'est ça? Ouais, dans quelques jours. Ouais. Ouais, quasiment une semaine. Ouais. On est 10 jours et ça sort. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un record. Un record assez triste. Que Benjamin Ninja avait quitté la communauté Ninjago en français dans beaucoup de groupes en fait. C'est le record le plus rapide du monde. Il n'y a pas un record plus... C'est triste ça. Hein. Ouais, t'étais pas trop en courant à Acro Ninja, mais... On a fait une vidéo, donc si tu veux la voir, et tu sais, si vous voulez voir les vidéos et tout, elles sont dans les descriptions. Voilà. On montre même des chaînes.
Et concernant le quiz ultime de Ninjago en français, mon quiz ultime, il prendra peut-être un peu de retard. Je vous dis pas quand il sortira tout le temps, mais ce que je peux vous affirmer, soyez toujours patients. Ça se peut que je prenne un peu de retard parce que j'ai d'autres projets aussi. Je suis pas sûr avec mes horaires, vous comprenez? J'essaie le temps possible, donc attendez-moi à ce que ça sorte le plus possible. Je vous dirai que ça sortira avant la fin du mois d'août. Voilà. Donc attendez pour le quiz de la saison 4. Alors? Ouais. Donc on n'a plus grand chose à vous dire. Et j'espère que vous allez l'adorer. N'oubliez pas de la partager sur tous les réseaux sociaux et de vous abonner et tout. Et toutes les comptes et toutes les chaînes sont en description. Il va y avoir énormément de descriptions, vous allez voir. Ah oui, et une dernière chose. Lego Caron a affirmé qu'il quitterait la communauté Ninjago en français. En fait, il dit, ça ne le dérange pas, je lui ai posé la question. Et apparemment, il a répondu oui, sans regret. Je vous dis pas pourquoi, là, allez voir la vidéo. Pour pas insulter, pour pas que ça vous rende fâché, la raison. Ça risquera un peu de vous rendre un peu fou. Voilà. Mais ne lui en voulez pas du tout, là. C'est pas de sa faute, hein. Après tout, il a 17 ans, des fois, hein, et il a une copine, maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un peu marre des Lego, des fois. Mais je vous dis pas la raison complète. Voilà. Alors, t'as plus grande chose à dire, et moi non plus, on dirait. Bah oui. Bah, juste après Kuna, dernière chose, précisément à une personne. Et bah, vous savez, une des aventures avec le groupe Hakuna, bah, ils disent qu'on prend pour des esclaves, mais après, je sais pas. Donc, venez pas m'insulter, s'il vous plaît, c'est confirmé par le directeur. C'est pas confirmé par moi. Ah ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, non, t'en fais pas. Ah, ça fait déjà depuis plus de 12 minutes qu'on parle. Je pense qu'on va commencer à arrêter un peu là. Mais on a tout dit quasiment. Alors. Oui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo hein, et de faire tout vos essais pour qu'on la voie le plus possible. Sur ce, c'était le vostre plus grand fan de Ninjago et. Akuninja! Au revoir tout le monde! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, hein, je serai en direct dans 15 minutes, donc venez! Et n'oubliez pas, hein, soyez présents dès maintenant parce que ça commence dans 15 minutes là, je serai en direct sur YouTube pendant 2 heures. Rejoignez-moi!